plutôt bien passé. Après, c'est l'INSEP en face, sans leur manquer de respect. Voilà, on a essayé de mieux jouer le plus possible. Voilà, on a des choses encore à corriger, à travailler. Donc, on a la semaine qui va arriver où on n'a pas de match. Donc, on va pouvoir travailler ensemble et moi, apprendre à mieux jouer avec mes coéquipiers et puis aussi à mieux jouer avec moi. Et puis voilà, pour essayer de mieux préparer Sorgue, Souffel et la Charité. Ouais, c'est vrai que les gros morceaux vont arriver, vous êtes dans le vif du sujet. Hein. Oui, bien sûr. Là, ça va être, on va avoir 3 matchs, là, je crois, 1 semaine ou 10 jours. Donc voilà, il va falloir bien se reposer aussi et puis être prêt pour ces matchs-là. Bon, le début du premier quart-temps a été compliqué avant de se ressaisir dès le deuxième. Oui, on a eu du mal à se mettre en route. Après, on a fait un bon deuxième carton. Le troisième carton n'a pas été mauvais. Après, le dernier était un peu difficile. Je crois qu'on l'a même perdu. Donc voilà, il faut qu'on essaie d'avoir de la régularité, de la constance, même si on n'arrive pas à mettre en attaque. Mais au moins avoir une défense qui est solide, qui va nous tenir pour qu'on puisse tenir les équipes. Quoi. Parce que la base d'une équipe, c'est d'abord la défense. Donc voilà, on va s'atteler à cela et pour pouvoir mieux travailler pour les autres matchs. Ça a été avec tes coéquipiers pour trouver tes repères un petit peu? On essaye, ça va pas se faire en un match, ça va se faire chaque jour à l'entraînement et les prochains matchs. Donc voilà, on essaie tout doucement de s'intégrer comme ça quoi. Bon, tu viens en tant que pigiste médical, ça faisait un bout de temps que tu n'avais pas joué, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il reste du pain sur la planche forcément pour retrouver du rythme. Exactement, c'est le but, c'est d'essayer d'avoir un meilleur rythme, d'avoir des meilleures sensations. Et puis aussi, pas griller les étapes, parce que quand ça fait longtemps que tu ne joues pas, il faut aussi se reposer, il faut bien se gérer à l'entraînement pour être performant pour les matchs. Voilà. Tu es arrivé mercredi, donc tu as eu que 2 entraînements avec tes coéquipiers? C'est ça. Donc il a fallu se mettre dans le rythme directement. C'est ça, c'est comme ça. Hein. C'est ça le sport du haut niveau, des fois on n'a pas le choix, il faut avancer.